Bonsoir, je vous propose de commencer. Donc, bienvenue à cette 11e session du Perfug qui est la session anniversaire. Ça fait un an maintenant qu'on fait ce Performance User Group. Alors, j'ai profité pour parler un tout petit peu, faire un petit bilan. Ça fait donc 11 sessions sur un an. 16 speakers différents parce qu'il y en a qui ont parlé à deux. Vous avez été plus de 250 à venir en fait sur toute l'année. Je voulais vous remercier parce que c'est grâce à vous qu'on voit le résultat d'un user group. J'en profite aussi pour faire quelques remerciements à l'équipe qui a organisé depuis un an le Perfug. Henri qui a été le pourvoyeur en speaker et le speaker qui est le premier speaker à faire pour la 12e fois une session au Perfug. Borémy à la régie et qui fait apparaître magiquement le pot à la fin de tous les Perfugs. Jean-Philippe pour la com, l'RGB, c'est l'organisation. Et Sofiane qui court derrière Henri en pourvoyeur de speaker. Speaker également. Et qui nous a trouvé une nouvelle salle pour le prochain, pour juin. On ira chez Critéo pour voir à quoi ressemble la salle. Merci aussi à Octo, grâce à tout ça est possible. Et à François-Xavier, Nicolas et Yann qui nous ont aidés ponctuellement. C'était pour l'introduction. Maintenant, on va laisser parler Henri qui va nous présenter JMH, le framework de micro-benchmarking, mais pas seulement le framework, également comment faire un benchmark correct après l'avoir entendu crier après plein de benchmarks erronés qu'il avait trouvés sur Internet. Et comme c'est la session anniversaire, on a prévu une petite surprise avec des t-shirts comme ça que vous pouvez gagner et des stickers Perfug avec quelques questions sur la performance évidemment. Et bien entendu derrière, il y a le pot, un pot un petit peu spécial à cause de l'anniversaire. Voilà Henri, c'est à toi. Hop. Bon, vous êtes censé applaudir là. Hop, hop, hop. Voilà. Pas moi, Marc. Moi. Ouais. bon, ça. Je sais pas, il y en a beaucoup qui l'ont déjà vu. Chez Gaël l'a vu. Enfin, Philippe l'a vu. Ok. Bon. C'est un peu plus. Tiens, pourquoi il fait ça? Méchant. Devox, c'est un petit peu plus dense, puis on n'a pas trop le temps de faire l'andouille. Tout à l'heure, j'avais le droit à une presenter view, et puis là, ok, tant pis. donc, on va parler de JMH. Je suis ça, donc à force, vous devez me connaître. Donc, Henri Tremblay, architecte chez Octo, je travaille sur EasyMock, je travaille sur OpGenesis, et je m'occupe de performance de façon générale. Donc, les micro-benchmarking, c'est quoi? Les micro-benchmarking, c'est le fait de tester une petite fonctionnalité dans votre application. Donc, au lieu de tester l'ensemble de votre application dans la vie réelle, ce qu'on appelle généralement un benchmark, vous essayez de tuner un petit morceau qui est très important pour vous et que vous voulez très efficace. Historiquement, il y en a, soit ça se faisait à la main, soit il y avait deux frameworks, il y a JAPEX qui était une tentative des gens d'Oracle qui était de Sun en fait, qui était bof. Ensuite, il y a Caliper qui a commencé à prendre traction. C'était comme la première bonne idée de framework du genre. Ça faisait à peu près le taf. Les principaux soucis, c'était pas aussi pointu que JMH. Et l'autre souci, c'est en fait on pouvait pas tester des très très petites fonctionnalités. Donc, si vous aviez, je ne sais pas si vous vouliez benchmarker l'appel d'une méthode, par exemple, le temps que prenait l'appel d'une méthode, un framework comme Caliper n'était pas assez précis. Normalement, ça ne vous intéresse pas du tout. Donc, c'est quelque chose que vous ne voulez pas faire et que je vous recommande de ne pas faire. Donc, essayez de bencher des trucs le plus gros possible. Donc, bencher des algos, bencher des trucs un peu énormes, si vous ne voulez pas vous tirer dans le pied. Parce que les micro-benchmarks, c'est quand même assez dangereux. Parce que vous vous mettez dans un environnement qui est très différent de votre environnement de production. Et plus vous faites des trucs petits, plus vous avez des chances de vous faire avoir. Par contre, les gens de chez Oracle, eux, ils étaient hyper intéressés de bencher, par exemple, pour Java 8.
Ils voulaient bencher les appels de lambda, voir l'overhead que ça avait, etc., puis essayer d'optimiser le truc. Donc, ils se sont mis à développer ce genre de choses pour arriver à un résultat probant. Ce qui fait que c'est un framework qui a vraiment été codé par les gens qui codent les JVM pour les gens qui codent les JVM. Donc, on peut s'attendre à avoir un résultat qui est décent. Il n'empêche, donc les experts vont vous dire ne faites pas de micro-benchmark, ils sont toujours faux, ils sont toujours faux, ils sont toujours faux. C'est à peu près vrai, sauf si vous faites des choses assez grosses finalement. Donc quand vous micro-benchmarkez, en fait, vous vous battez contre ça. Ça, c'est toutes les optimisations au runtime que peut faire votre JVM. La liste est probablement pas à jour, donc je pense qu'ils en ont inventé des nouvelles depuis en Java 8. Mais ça donne une idée. Donc, il se passe beaucoup de choses qui nous arrangent énormément en production. C'est-à-dire que ça vous optimise beaucoup, beaucoup votre application. Par contre, quand vous êtes en micro-benchmark, la JVM va avoir tendance à faire des optimisations qui n'auraient pas été possibles dans un environnement réel. Quand ça se produit, mais c'est là où vous avez un benchmark faussé, vous allez avoir des résultats qui sont complètement erronés. On va voir quelques exemples tout à l'heure. Bon. Pour rigoler, on va bencher du EasyMock et du Mockito. Vu qu'EasyMock, c'est moi, ça m'intéresse en fait. Il y a des gens bizarres sur cette terre qui ont des besoins étranges. Donc, par exemple, EasyMock, les mocks sont sérialisables parce qu'il y a un gars qui travaillait, je pense, sur Wicket, qui voulait faire des tests unitaires en sérialisant des mocks d'un bord à l'autre. Donc, les mocks sont sérialisables. Et il y a des gens qui disent, moi, je crée des mocks à haute vitesse dans mes tests pour faire je sais pas quoi. Donc, j'aimerais bien avoir des mocks qui sont très, très rapides. Et de là m'est venue l'idée, tiens, je vais regarder combien de temps ça prend. Et donc, pour rigoler, tant qu'à être, j'ai dit, tiens, je vais regarder Mockito, je vais comment ils font. Question de comparer un petit peu. Donc, aujourd'hui, on va jouer à ça. Bon, si on veut faire ça, normalement, la première chose qu'on va faire, donc si on fait naïvement un benchmark de ce type, je vais laisser mon pointeur, bouge pas pointeur. Toc. Ah merde. Si on veut faire ça, normalement, très très naïvement, on se fait un main comme ça. On lui dit, OK, ben, je vais créer des mocks 1 million de fois. Et bon, donc je vais faire ma boucle sur EasyMock, ma boucle sur Mockito. Je vais leur faire 2 fois pour être sûr de mon truc. Et puis voilà, je fais mon test. Si on l'exécute, oups, c'est pas ça. On vient là. J'ai réussi. Donc si on exécute, ça donne un truc comme ça. Ça augure bien, c'est le smart. Bon, ça nous donne un truc comme ça, qui a l'air d'être plutôt de bon augure pour EasyMock. Mais en pratique, il y a pas grand-chose qui dit que c'est valide. Pourquoi ça ne peut pas être valide? Parce que quand vous faites ça, bon, vous faites naïvement plein de trucs. Donc, il y a toutes sortes de choses de type j'ai mis une loupe ici, qui est calculée dans votre test. Donc, ça, ce n'est pas super grave. Les choses qui sont ultra graves, c'est par exemple, EasyMock est en premier. Là. Donc, EasyMock est désavantagé parce que c'est lui qui va se taper tout le class loading. Résultat, il y a des bonnes chances qu'il soit beaucoup plus lent que le premier Mockito. Donc, ici, j'aurais dû être pénalisé. La deuxième chose qui peut se produire, c'est que EasyMock est le premier. Donc, EasyMock, il va être, la JVM va dire, wow, je fais plein d'EasyMock. Donc, elle va optimiser pour EasyMock. Et après, quand Mockito va arriver, ben, elle va être optimisée pour d'autres choses. Donc, Mockito, il va être pénalisé. Bilan de l'opération, c'est jamais une très bonne idée déjà de faire 2 benchmarks dans le même main. Et en plus, donc avoir les temps de chauffe pour avoir les bonnes optimisations et échapper. Bon, puis il y a d'autres problèmes dont on va parler tout à l'heure. Donc là, il y a 4-5 problèmes dans ce benchmark qui fait qu'il fonctionne juste pas comme il faut. Mais déjà de base, il y a des trucs très basiques qui fait que si vous faites un main en disant je vais tester un truc comme ça, vous avez des bonnes chances de vous tirer dans le pied. Donc faites-le foncièrement jamais. Les experts pré-JMH s'y sont amusés. Ils s'y cassent les dents une fois de temps en temps. Et
Et s'ils persistent dans leur truc, ben en fait, ils décompilent le code, ils font afficher les compilations JVM, l'assembleur qui se fait exécuter au fil de l'eau, plus les optimes, et ils lisent tout le machin pour être sûr qu'il s'est passé ce qu'ils pensaient qu'il se passerait. Mais comme c'est pas nécessairement soit à notre portée, soit à notre envie de, ben faites pas ça. Ce qui nous fait que, évidemment, la solution à cette histoire, si je finis par peser A au bon moment, j'ai hérité d'un clavier AZERTY à mon grand désarroi et je me trompe de touche tout le temps. Hop, on se remet là. Donc, main, pas bonne idée. Solution, ben, c'est JMH. Donc, là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, c'est vraiment le seul framework de micro-benchmarking qui existe, qui mérite d'être utilisé. Il est franchement très bien. Faites quand même attention. Donc, les problèmes dont on a parlé tout à l'heure, JMH essaie de vous aider à ce que ça ne se produise pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont quand même pas se produire. Souvent, donc, il y a quelques trucs qui sont aidés, et il y a souvent des façons de faire dans JMH qui vous permettent de contourner certains problèmes que vous ne pourriez pas faire si vous le faisiez vous à la mimine. Par contre, ben, si vous oubliez de le faire, ça ne va pas nécessairement marcher. La meilleure façon d'apprendre le framework, c'est de passer à travers. Il y a des samples qui sont super bien faits, c'est hyper didactique. Donc, généralement, il nous dit voilà, si vous faites ça, ça marche pas, vous êtes dans la merde. Si vous faites tel autre truc, ça répare. Donc, vous descendez tous les samples l'un après l'autre et à la fin, ben, vous connaissez à peu près tout. Je dirais que là, c'est jusque-là, je sais lequel. Jusqu'à peu près 15, ça reste à peu près sain d'esprit. À partir de 16, c'est pas que c'est compliqué, c'est que ça vous servira pas hyper souvent, en fait. Fault sharing est intéressant, par contre. Bon, donc, mais c'est pas très long, donc le mieux, c'est de passer à travers tout. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais vous donner un espèce de petit aperçu de comment ça marche. Mais si vous faites un micro-benchmark, vraiment, faites-les tous un après l'autre avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Donc, vous êtes avertis. Ok, comment ça marche? Comment ça marche? Oups. Oh bah, je sais pas pourquoi il s'amuse à me fermer mes fenêtres tout le temps. Je les ai ouvertes tout à l'heure. Voilà. Et les clics de souris ne marchent pas à tous les coups. C'est la grosse. En fait, donc c'est assez simple. Vous avez une classe avec une annotation qui dit du generate micro benchmark et vous avez le truc que vous êtes en train de bencher. Là, j'ai mis une baseline, c'est-à-dire une méthode vide. C'est assez pratique de bencher une méthode vide. Ça vous donne à peu près les performances de quoi? Ah bon? Mais vous n'avez pas des bons yeux au fond. Ah là là là. Qu'est-ce que. Non, pas ça. 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 Voilà. OK. Ensuite, vous mettez plein de petites annotations qui indiquent un petit peu comment vous voulez que votre benchmark se comporte. Moi, j'aime bien annoter. En pratique, vous pouvez aussi le mettre en command line et vous pouvez. Voilà, il y a une troisième façon que j'oublie. Je sais plus. Merde. Hein? Ouais, en command line. Et. Avec quoi? Ah oui, bah oui, vous pouvez le mettre en main. Je suis con. Donc vous pouvez vous créer un main et vous lui dites ce que vous voulez prendre en paramètre. Vous mettez du command line ou vous le mettez comme ça. J'aime bien comme ça parce que ça, vous le committez. Et par exemple, le warm-up, à un moment donné, vous savez combien de temps de warm-up vous avez besoin pour que ça tourne correctement. Donc vous fixez un chiffre, vous le committez, vous êtes content. Après, vous faites comme vous voulez. Donc en gros, les annotations classiques, warm-up, c'est pour dire combien d'itérations de chauffe vous avez besoin. En gros, au départ, quand vous faites vos benchmarks, vous le laissez tourner jusqu'à ce que vous voyez que ça converge. Et puis, quand ça commence à tourner toujours le même chiffre, ben, vous décrétez que vous avez assez de warm-up pour être content. Je mets toujours plus qu'une itération parce que si vous mettez pas. En fait, c'est recommandé de mettre beaucoup d'itérations très courtes plus que des très longues itérations. Donc là, en l'occurrence, bon, là, c'est un chiffre pour jouer parce que je ne veux pas que ça dure trop longtemps. Mais je vous en ai mis deux et ils durent chacun une seconde. Le fork,
Bon, là, on n'a pas besoin d'en parler après. Benchmark mode, c'est pour vous donner le type d'unité que vous voulez sortir. Donc, throughput, il va vous donner combien d'opérations par unité de temps ont été réalisées. Et output time, donc opérations par seconde en l'occurrence. Donc, pourquoi c'est cool et pourquoi c'est mieux que Caliper, par exemple? La première chose qu'on voit, c'est dans Caliper, la boucle était là. Et là, il n'y en a plus. Donc, la boucle était, elle est à l'extérieur du benchmark, de ce qui est benchmarké. La deuxième chose, c'est que le code qui est exécuté, ce n'est pas celui-là, en fait. Ce que fait JMH, c'est qu'il prend votre code, il lit les annotations, donc il fait un peu de réflexion sur le truc, il récupère le code, il renvoie dans un générateur de code Java, et il vous recrée une classe qui, elle, est arrangée pour fonctionner correctement. Donc là, il y a beaucoup de magie. Et quand vous rajoutez le fork, c'est qu'en plus, quand vous l'exécutez, lui, il va créer une sous. Bon, 0, ça veut dire ne crée pas de sous-JVM. Si vous mettez 1, 2, 3, 4, il va à chaque fois créer une JVM et refaire une itération sur votre code. Je sais pas si c'était tout clair. Et c'est vraiment là où se passe la magie. C'est-à-dire que vous avez une JVM toute neuve qui n'est pas teintée par le carcan d'exécution du benchmark. Et en plus, vous avez plein de codes décoratifs qui vous empêchent de. Mais qui vous enlèvent plein de pièges qui se seraient produits si vous ne l'aviez pas. Pour vous donner une idée, je vais vous l'ouvrir là. Tchouk. Pouk, pouk. Parce qu'en plus, le code est nécessairement, c'est vraiment du code Java qui est généré. Donc vous pouvez le voir. Donc, si on l'ouvre ici, ça, cette gueule-là, voilà. Bon, il y a énormément de choses qui sont absolument hors de notre compréhension et qui ne sont pas commentées. Donc, faut le prendre pour acquis que c'est des gens mieux que nous qui savent ce qu'ils font. Donc, par exemple, les booléens ici, je pense que c'est pour empêcher des problèmes de false sharing que vous pouvez avoir. False sharing, je ne vais pas l'expliquer là, mais c'est intéressant de vous documenter sur la question. C'est des histoires de cache CPU. Et après, mais comme vous voyez, le code est énormément emballé avec toutes sortes de trucs divers et variés pour être capable de bien gérer votre test. Fait que c'est vraiment pas la classe originelle qui est exécutée, c'est un truc complètement, complètement différent. Et c'est de là d'où vient tout l'intérêt de la chose. Hop! Bon, qu'est-ce que ça donne en exécution? Ça donne un truc comme ça. Je ne sais pas si c'est très gros, j'ai pas l'impression, mais vous arrivez à lire? Non? Personne? C'est plus compliqué sur Windows, ça. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Ah non, je suis au max, non? Je suis au top du top du top. Je sais pas ça. Ah, voilà. C'est peut-être un peu intense. Un truc comme ça. Ça va, ça? Ça se lit? Donc, ben là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on voit que si ça s'est exécuté. Donc, il nous a fait notre warm-up. Où est-ce que c'est? Pop, pop, pop. Donc, il nous a fait nos itérations de warm-up ici. Il nous a fait nos deux itérations. Il nous donne le résultat. Il nous fait notre bilan général. Évidemment, c'est pas très. J'ai pas dû prendre une fonte TrueType, donc c'est un peu tout désaligné. J'ai bien rigolé avec ça. En fait, on voit pas tout. Je sais pas, j'aimais bien moi avec ma fonte de d'avant. C'est mieux à Devox. À Devox, il y a des grands écrans, on voit. Donc là, vous voyez que vous avez beaucoup. Donc là, on est à. 2 milliards, 200 millions, 2 milliards, ouais, c'est ça, 815 millions, 2 milliards, 200, 2 milliards, 800 millions, 815 millions et tralala d'opérations par seconde. Ça veut dire que, là, en l'occurrence, ce que ça veut dire, c'est appeler une méthode vide. Avec JMH, vous êtes capable de faire 2 milliards d'opérations seconde. Donc, faire rien, vous pouvez en faire 2 milliards. Hop, OK. Donc, maintenant qu'on voit à peu près comment ça marche, on va essayer de faire des trucs qui servent à quelque chose. Tiens, pourquoi c'est là ça? Ah oui, c'est là. Ok. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est d'où vient le 2 milliards. 2 milliards, il vient de. Ben là, je suis sur un Core i7. Donc, sur un Core i7, vous avez à peu près. C'est un peu flou ces affaires-là parce que normalement, il fait jusqu'à 1,8 GHz, mais il y a une espèce de turbo boost qui peut le montrer à 2,5. Puis s'il décrète qu'il n'est pas branché, par exemple, il va baisser en.
en GigaHertz. Donc, par exemple, quand vous benchmarkez, essayez de toujours brancher votre laptop. Et sinon, ça va ressembler à rien. Donc, on est à peu près, on va dire qu'on est à peu près là. Ce qui nous fait 1,8 milliard de cycles par seconde d'exécution. Et en partie, comme il y a des, comme il y a du pipelining, il arrive à faire deux, à peu près deux instructions par seconde. Ben deux instructions par cycle plutôt, excusez-moi. Donc on arrive à peu près à 3 milliards 600 millions. Là, ben, moi, je suis arrivé à 815, mais on est à 2 milliards 800 quelque chose. Donc on voit qu'un appel de méthode, c'est pas beaucoup. Et on voit aussi que JMH n'a pas l'air de faire beaucoup d'overhead par rapport au maximum absolu, sachant qu'il y a plein de choses qui peuvent être produites. Donc on peut se dire qu'on est dans un environnement qui a l'air à peu près correct et déterministe. Oui. J'ai pas fait. J'ai pas fait. Mais en fait, en approche naïve, c'est super dur. Ouais, on pourrait l'essayer tout à l'heure si vous voulez, ça vous amuse. C'est super dur parce que ben, ta boucle est nécessairement dans ton interne. Et deuxième chose, c'est que ta boucle, elle va. Faut que tu, en fait, c'est là où ça devient compliqué. On va le voir après. Mais la boucle, il faut qu'elle fasse des vrais trucs parce que sinon, elle va se faire éjecter si elle fait rien de vrai. Et donc la JM va optimiser. Puis tu as des bonnes chances qu'à la fin, ça donne juste un chiffre énorme parce que ça fait rien. Vraiment rien. Là, ça fait vraiment un appel de méthode. Et dans l'autre cas, ça ferait vraiment, vraiment rien. Hop. Ce qui nous amène au quiz numéro 1. Il y a un truc qui est arrivé sur Ikeri CP récemment. 700, je sais plus le vrai chiffre parce que les gars, c'est le problème d'Internet. Quand il y a un truc faux puis qu'on leur dit, les gens y corrigent puis on ne peut plus le retrouver après. Faut aller dans l'histoire de l'Internet. Donc 700, c'est pas le vrai chiffre. Je pense que c'était plus 500 ou 200. Mais bon, ils se targuaient d'être énormément, donc centaines de fois plus rapide que n'importe quel autre pôle, un pool de connexion. Donc Ikari CP étant un pool de connexion JDBC. Et en particulier plus rapide que le dernier qui se l'est pété à 10 ans, en disant qu'il était le plus rapide, c'est-à-dire Bond CP. Donc là, donc pour information, les performances de Bond CP, ce qui sortait des benchmarks, c'est qu'ils arrivaient à faire 8193 connexions par milliseconde. La question est donc, qu'est-ce qui ne marche pas là-dedans? C'est non important. On va dire oui, on va dire un Core i7. On est sur le même genre de CPU que mes benchmarks à moi. Parce que oui, c'est un peu. Ouais, en fait, c'est pas vraiment important, mais. Et on est. Je peux vous mettre. On est mono-tradé si vous voulez simplifier un peu le truc aussi. Pour que ça soit crédible. Donc, qu'est-ce qui devrait vous sauter à l'esprit quand vous voyez un truc comme ça? Ils ont fait un benchmark, ils ont fait un benchmark comparatif. De quoi? Oui, c'est 700 fois plus de connexions par milliseconde. C'est quoi? Non, c'est sur le même. Mais la réponse là, elle est. Ouais, c'est pas mal. Hein? Bon, je pense que ça vaut un t-shirt. Ou je sais pas, on en est au bonbon ou au t-shirt? Non, les t-shirts, c'est après. Je sais plus c'est quoi notre compte. Bon, laissez les garçons, ça vaut un cadeau. C'est eux qui gèrent les cadeaux. C'est exactement ça, c'est qu'on arrive à 5 millions. Bon, 5 millions, comme je disais, j'ai un peu poussé le chiffre par exprès, mais on est au-dessus du nombre de cycles CPU possible. Donc, même si c'est un CPU un peu plus puissant ou quoi que ce soit, parce que Core i7, il n'y a pas grand-chose de plus fort que ça, en fait. On est pas mal au top du top du top. Même si Xeon, il va être un petit peu mieux, mais on n'arrive pas à un gros gros chiffre. Donc, si vous arrivez à un chiffre indécent comme ça, ben,
Et même moins indécent que ça. J'aurais peut-être même pu le baisser un petit peu, en fait. T'sais, parce que même si ça arrive à une connexion par cycle CPU, ben, c'est évident que ça prend plus qu'un cycle CPU récupérer une connexion dans un pool. Donc, dès que tu vois le chiffre, tu sais que quelque part, dans le benchmark d'Ikari, il fait juste rien, c'est sûr. Et donc, tout ce qui est plus rapide qu'une baseline est nécessairement problématique et censé faire ping, ping, ping. Le vrai chiffre, en fait, le vrai chiffre, là aussi je l'ai mis plus haut parce que ça a facilité un petit peu le truc, mais le vrai chiffre c'était 58 cycles pour récupérer une connexion, donc dans les calculs qu'on avait fait, et 58 cycles pour récupérer une connexion, ben, ça reste super rapide parce que tu n'as pas le temps de faire beaucoup d'instructions en 58 cycles. Résultat, ben, vous voyez un truc comme ça. En fait, quand vous voyez un truc qui est étrangement plus rapide et qui est d'un nombre de temps vraiment plus rapide que le truc d'avant, c'est censé faire une genre de lumière rouge qui dit il y a probablement un truc qui déconne. Ça m'étonnerait que les gars ils aient réussi à être si plus rapide, et puis je vais quand même calculer si par rapport à ma fréquence CPU, ça se tient. Bon, évidemment, si le machin est parallélisé, c'est plus la même donne. Il faut calculer quand même combien vous avez de CPU et patata. Mais, mais en tant que tel, c'est un signe de bench super louche où il y a eu du code élipsé qui empêche, qui fausse les données. Voilà. Toum! Ah ben donc là je l'ai mis, ben c'est ça. Donc on arrive à 6 milliards et évidemment, c'est pas normal. Alors pas bien. Pouc! Bon, de notre côté, on va faire des vrais trucs. Non, pas celui-là. Celui-là. Voilà. Donc, premier test qui fait des choses pour de vrai. Donc, ici, j'ai toujours ma baseline parce que c'est toujours pratique pour avoir une indication. J'ai fait une méthode max qui calcule un max et j'ai demandé le max de 1 et 2. Là, je l'ai passé en fork 1 pour justement m'extraire, donc pour avoir un truc un petit peu plus réel. En vrai, mettez plutôt fork plus que 1, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus vous mettez de fork, plus votre écart type dans le résultat final va être valable. Si vous avez fait un peu de statistique, vous allez comprendre pourquoi, mais en gros, il va calculer votre variance de résultat entre chacun des forks et à partir de là, il va calculer son écart type. Donc, plus vous en faites, plus vous allez ramasser votre écart type et vous allez vous approcher de la vérité. Par défaut, il en fait 10, mais comme on est en train de faire une presse et que vous ne voulez pas juste regarder mon shell toute la presse, ben, je n'ai mis pas trop. Ouais? Quoi? Ah oui, mais c'est pas, on parle pas de la même chose, non? C'est pas pareil. Quand tu fais tes tirs de performance, un vrai benchmark, tu lances, ça donne une moyenne, qui n'est pas vraiment une bonne idée de la regarder non plus, et un écart type qui te donne à peu près combien les trucs s'éloignent de la moyenne. Sauf que la moyenne étant déjà probablement fausse, ce qui va plutôt nous intéresser, c'est la distribution, puis c'est pour ça qu'on utilise souvent les centiles. Donc le centile 95, par contre, va te dire tous les gens qui attendent trop par-dessus les 5%. Tandis que l'écart type, il te donne juste un peu ton spread, et puis en plus, il est ce qu'on appelle en anglais un peu skewed, parce que le zéro, ben, tu peux pas être négatif dans tes temps de réponse, donc ça a tendance à vous fausser votre donnée. Mais. Non, non, mais c'est vraiment pas le même. C'est-à-dire que l'écart type sur un tir de performance, il va te donner l'écart type par rapport à tous les temps de réponse que tu as eu sur ton tir. Et là, c'est un écart type sur la moyenne de chacun des essais. Et un écart type de la moyenne des essais, ça te rapproche de la vérité, en fait. Ça te rapproche du vrai chiffre. Et ça te dit dans quelle mesure, ça te donne, en fait, ça va te donner un intervalle de confiance. Oui, mais là, le centile. Non. Oui. Bah, en fait, en micro-benchmarking, tu es censé avoir un chiffre absolu.
n'es pas censé te faire brouiller par d'autres trucs aléatoires. Donc, par exemple, tu n'es pas en train de regarder s'il y a des gens qui ont attendu plus que les autres. Ton but, c'est de savoir combien ton truc que tu es en train de tester prend de temps pour vrai. Et donc, tu fais ton tir là-dessus. Le chiffre est supposé être toujours le même à peu près, à JVM et JC près, là. Et donc, pour être capable de valider ce résultat-là, tu vas faire plusieurs tirs et tu vas calculer la moyenne de tous ces tirs. Mais ensuite, tu vas te calculer un intervalle de confiance ou un écart type, c'est pareil, sur le tir. Donc, ouais, c'est pas la même chose. Si en fait, si tu fais ton micro-benchmark et que tes résultats ont tendance à faire ftoum, 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 ftoum dans tous les sens, c'est que ton micro-benchmark, il est pas bon. Il faut pas que tu prennes un micro-benchmark, ça. Je sais pas si c'est clair, mais. C'est clair pour les autres, c'est clair, oui. Tout à fait. Hop, donc celui-là. Bon, donc, qu'est-ce que je disais? Ben, donc, c'est ça. Donc, on a une baseline, on a un max. On a un truc qu'on n'arrivera pas à lire. Je vais quand même le diminuer. Parce que c'est quand même chiant. Hein. Et Raster Font, il est. Non, lui, il est. Non, je tends ça par défaut. Et ça donne quoi? Pourtant, c'est des. Ça? Ah, ça, c'est mieux. Consolas. Ouais, c'est ça. Ça, vous arrivez à lire ou c'est vraiment petit? S'il veut bien me resizer ma fenêtre, il veut même pas me resizer ma fenêtre. Dépitant. Ah ben voilà, on va faire comme ça. Oula, ah, c'est petit un peu. Bon, on va remettre un coup de plus grand. Je me trouve un autre shell. Peut-être que. Là, ça va? Ouais, ok. Hop. Bon, ça va sûrement être tout désaligné. Mais on va regarder. Ah, et en plus, derrière, vous ne devez pas voir trop le bas de l'écran, normalement. Ah, c'est vrai qu'on peut fermer. Faut fermer celle de là-bas. Celle-là. Non, garde l'autre. Garde l'inverse. Là. Gagné. Voilà. Ah, ben déjà, c'est un peu plus lisible, c'est un peu plus aligné. OK. Donc, il nous a fait. Bon, pendant ce temps-là, il s'est amusé, il nous a fait nos itérations, ça nous a donné notre résultat. Bon, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne que j'ai une baseline qui est là et j'ai mon benchmax qui est en fait ben, plus rapide que ma baseline. C'est un problème et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que JMH, il vous donne les outils pour empêcher des conneries, mais si vous ne les utilisez pas, ça ressemble à rien. Et c'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir une baseline parce que. Là, vous voyez tout de suite que vous avez un truc qui ne marche pas. C'est-à-dire que votre truc qui fait un truc, il est plus rapide que le truc qui fait rien. C'est rarement bon signe. Donc pourquoi? Pourquoi ça fait ça? Hop. Pourquoi ça fait ça? Parce qu'il se passe. En fait, il se passe beaucoup de choses ici. Ah, mais il ne fallait pas que j'enlève ça, en fait. Voilà. Il se passe. Deux choses potentielles. La première chose, c'est que là, vous êtes en train d'appeler une méthode, mais ce que la méthode retourne, vous vous en foutez. Et une JVM, c'est fort, donc ça dit, quand tu appelles un truc qui fait rien de mutable ailleurs et que vous en préoccupez pas, elle se dit, cette méthode ne sert absolument à rien, je l'enlève tout. Donc, en gros, il fait juste disparaître la méthode. L'autre chose qui aurait pu se produire, parce que là, c'est comme le truc qui s'est passé en premier. Mais l'autre chose qui aurait pu se produire, c'est qu'il dit, ah, là, il y a un appel de méthode, mais en fait, il passe toujours un et deux dedans. Donc, à la fin de l'histoire, moi, je vais toujours retourner deux. Donc, à la place de faire un appel pour de vrai, je retourne deux. Donc, il ne fait plus l'appel de méthode, il retourne toujours la constante. Ce qui est chouette. Mais en l'occurrence, là, ce n'est pas ce que vous voulez. Oui. C'est pas en fait, ils sont pas très très loin l'un de l'autre. Ça tombe comme ça, mais. Ouais. Ben, ça donne pas mal toujours le coup de bol, donc j'ai pas vraiment l'explication de la différence. Mais la différence, elle est pas énorme. Ce qui veut dire que
Il y a peut-être des trucs de justement de cache. Il y a peut-être juste un cache niveau 2 de CPU qui fait plus de trucs. Il y a peut-être, je sais pas. Hein? Probable. Si je l'avais fait tourner plus, probablement que ça aurait à un moment donné stabilisé. Il y a un... Donc là, ça fait effet presse. Mais en principe, oui, à la fin de l'histoire, il devrait être à peu près à égalité. Il y a aussi donc la JVM, évidemment, ça lui a pris un petit peu de temps à comprendre qu'il fallait qu'elle l'enlève, mais un coup qu'elle l'a fait, elle est devenue. Elle a peut-être compilé plus vite le fait de faire rien. Donc elle a inliné du code un petit peu plus rapidement. Il y a plein de choses qui peuvent se produire qui peuvent expliquer, mais j'avoue que là, c'est au-delà de ma compréhension et de mon étude de la question. Bon, et ça se joue à 6 000 opérations, donc c'est pas un chiffre de fou non plus. Mais je pense que Raphaël a raison, après je vais essayer de le faire tourner vraiment longtemps, puis on regardera ce que ça donne. Donc, la solution à ça, bon, évidemment, comme je vous l'ai dit, lisez les samples. Si vous ne lisez. Mais là, vous allez voir les trucs les plus fréquents, en fait, qui arrivent de toute façon. Est-ce que j'ai ouvert le bon? Ouais. Donc, JMH permet deux trucs. Si vous faites un return comme ça, il crée ce qu'ils appellent un black hole implicite, c'est-à-dire qu'il s'assure que les données qui vont être récupérées par ça vont être consommées pour de vrai. Donc, ils empêchent que la JVM décide que ça sert à rien. Et ça, c'est chouette. Il y a aussi une classe black hole où vous pouvez lui faire consommer, donc un black hole explicite en l'occurrence, vous le passez en paramètres et vous pouvez lui faire consommer du code si en fait vous avez besoin d'utiliser des variables en cours de route dans votre méthode. Ça peut arriver. Donc ça nous sauve de l'ellipse et c'est super cool parce que être capable de simuler un faux traitement qui fait quelque chose pour de vrai, c'est pas si facile que ça. Donc eux le font pour nous et on en est bien content. La deuxième chose qui est super importante, c'est ça. En fait, il ne faut pas mettre des constantes dans vos objets. Il faut les placer ici dans ce qu'ils appellent un state. Donc là, le state, je l'ai mis sur la classe, mais vous pouvez aussi le mettre sur une sous-classe avec plein de données dedans. Donc là, on décrète que la classe est un state. Le state est dans le scope du benchmark. Les deux cas qui existent, c'est dans le scope du benchmark et dans le scope d'un thread. Donc, il peut le mettre sur une infinité de threads ou de benchmark. Et donc, ces objets-là, ben, finalement, ça ne sera plus ces variables-là qui sont vraiment utilisées. C'est des variables magiques emballées dans un truc pour s'assurer qu'ils ne seront pas considérés comme des constantes par la JVM. Donc, encore une fois, c'est extraordinairement utile d'avoir ce genre de petit feature parce que c'est. Ben, ça prend des plombs à le faire à la main. Voilà. Donc, si on retourne à notre truc et qu'on fait ça, là, je sais pas, je suis à peu près dans un peu plus long que d'habitude, mais c'est normal, on parle plus. Hop, donc là, ah, j'ai mis les fork à. Est-ce que j'ai mis le fork à 2? Enfin, j'ai mis un fork 1 de 1. Top, 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 top. C'est bizarre ça. Bon. Non, ah oui, il y avait un fork et deux itérations. C'est bon, ça remonte au cerveau. Bon, et là, on a ça. Ce qui est. Bon, c'est 4 fois, à peu près 3 fois. 3 fois plus lent que notre baseline. Vu qu'on est en train de faire un max sur pas grand-chose, il y a un if, il ne se passe pas grand-chose de très très intelligent. On peut s'attendre à un chiffre à peu près comme ça. C'est quand même rapide. Donc, je suis en train de faire un truc fabuleux, mais là, ça ressemble à un chiffre qui est crédible. On voit qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu un boulot. Donc, par là. Maintenant, ça marche. Ensuite, si on revient à notre EasyMock de tout à l'heure et qu'on applique. Je pense que j'avais des slides à faire aussi, mais ce n'est pas très grave. Et qu'on applique. On l'applique à un vrai cas. Donc là, j'ai passé mon fork à 2. J'ai mis un petit peu plus d'itération. En warm-up aussi, c'est un peu débile, mais les itérations de warm-up, j'en mets souvent plus que les itérations de mesure parce que c'est vraiment le warm-up où je veux que ça stabilise les mesures. Après, elles sont censées être toujours pareilles. Donc finalement, vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes de celles-là. J'ai changé pas mal de trucs parce que c'est pour rendre la chose plus lisible de mon point de vue. C'est-à-dire que là, je l'ai mis en moyenne, justement, en temps moyen au lieu de le mettre en opération par seconde pour me donner les vrais temps d'exécution. Je l'ai mis en nanosecondes parce que, comme vous voyez, ça donne des chiffres à rallonge depuis tout à l'heure, puis c'est pas lisible. Donc, sur les nanosecondes, ça va donner des chiffres plus petits. Et par contre, j'ai utilisé les techniques dont on parlait depuis tout à l'heure. Donc, là, par exemple,
C'est un micro-benchmark qui permet de générer des proxys, parce que Zmock, derrière, ça génère des proxys. Ça fait que ce qui est c'est intéressant de savoir créer un proxy tout seul sans Zmock, combien de temps ça prend. J'ai mis mon state ici pour être sûr que ça ne soit pas considéré comme un appel constant. En pratique, là, ça ne l'est pas parce qu'il y a un cache dans le. Il y a un cache dans les proxys. Corollaire de ça, c'est que là, je peux être influencé par le fait que c'est pas toujours la même classe qui est. Là, j'ai mis en simplification. Mais ça veut dire que list, je la crée une fois, elle va être cachée par le proxy. Ça va être toujours la même classe qui va me ressortir après. Donc, surtout que je mets le même handler dessus. Ce qui fait que un vrai benchmark réel, c'est-à-dire mon vrai benchmark réel de la fin, il est un peu plus compliqué que celui-là. Mais pour avoir quelque chose de à peu près utilisable, je l'ai mis comme ça. Donc là, ben, vous avez donc une genre de baseline EasyMockienne. En dessous, vous avez la même chose avec EasyMock. Pareil, j'ai mon return ici, qui permet d'être sûr que le mock qui est créé est consommé. La même chose avec Mockito. Je sais que mes deux benchmarks ici vont être dans deux JVM séparés. Ah, j'ai peut-être pas dit ça. Il va pas faire les trois benchmarks dans une JVM. Un fork, c'est par méthode benchmarkée. Important. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis un fork 2, donc vous allez avoir 6 JVM qui vont être lancés au total, plus la JVM originelle qui fait le lancement de tout. Donc 7. Hop! Donc là, on se dit, ouh, là, c'est bon. C'est pas ça que je voulais faire. Ici. Donc là, on peut vraiment vérifier. Donc là, on a un benchmark qui commence à ressembler à quelque chose qui va fonctionner, qui va nous donner notre performance. Hop! Donc là, vous voyez, ça fait 197 nanosecondes par opération. Donc ça donne vraiment des temps moyens. Bon, là, c'était les warm-up. Ensuite, on a les vraies exécutions. Et là, évidemment, c'est un petit peu plus long parce qu'il y a 6 JVM de forking. Hop. Donc là, on vient de voir passer Mockito. Bon, on reste quand même à peu près dans les chiffres super longs qu'on avait tout à l'heure. Ça, c'est une bonne nouvelle. Là, ici. Et donc là, c'est les proxys. Et là, on y est presque. Pam, 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 pam. Voilà. Donc, on arrive à ça. Ce qui est rigolo, c'est qu'on voit que la Mockito est en fait est un petit peu plus rapide que tout à l'heure. Izemock est très très proche des proxys, finalement. Par contre, ben là, on a une marge d'erreur qui est quand même un petit peu élevée, qui mériterait investigation, parce que ça n'a pas été très stable, apparemment. Donc, ça mériterait aussi d'autres forks pour faire converger le truc. Je pense que là, j'ai pas dû mettre assez d'itérations. Donc un chiffre comme ça qui est pas loin de la moyenne, c'est que vous avez trop gros. Vous avez un truc qui marche pas bien. Mais on va faire comme si c'était bon. Bon, ben, je suis content parce que là, hop, papa, j'ai un EasyMock qui marche super bien. Yay! Je sais plus où j'en suis. Bon, en fait, même quand vous avez des choses comme ça qui ont l'air un peu probants, soyez assez méfiants. Ah oui, bon, ça c'est pour la suite. Je savais que j'avais sauté des trucs. Donc, reculons en arrière. Donc là, on a un EasyMock qui est rapide. Sinon, bon, les autres features, il y a des façons d'initialiser vos variables avec des setups teardown pour faire des trucs un petit peu plus futés. Les black holes, on en a parlé. Vous pouvez faire des groupements par thread. Donc là, c'est les fonctionnalités les plus utiles que vous pourriez rencontrer, mais il y a des choses assez compliquées. Les groupements par thread, ça vous permet de faire des benchmarks, genre si vous voulez bencher un disrupteur un matin, et ben, vous avez une quantité de producer avec une quantité de consumer en multithread, ben, vous allez les mettre dans des groupes différents et faire travailler JMH pour bien ordonnancer les threads comme il faut. Donc c'est assez pratique pour faire des tests en multithreading. Compiler Control, c'est pour donner des instructions au compilateur, donc à la JVM, au JIT. Donc là, ça devient un petit peu plus profond. Mais par exemple, vous pouvez lui dire, s'il te plaît, inline rien, parce que là, tout de suite, ça me fait chier. Donc j'aimerais autant que tu ne le fasses pas pour avoir les chiffres que je veux. Donc il y en a quelques-uns comme ça qui sont disponibles.
Donc, comme je disais, le besoin est plus rare, mais c'est rigolo de l'avoir. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est dans des cas où, en fait, vous appelez un système, un bout de votre appli, et vous voulez que ce bout de l'appli soit lent. Souvent, ce qu'on fait, c'est un sleep. On dit sleep 2 secondes. Le problème, c'est quand vous faites ça, ben, en fait, il va sleeper, il va faire un wait, il va revenir, mais en fait, il ne consommera pas de CPU. Consume CPU, ça dit attends 2 secondes ou attends une gaussienne de quelque chose. Et par contre, vas-y à fond, prends-moi du CPU. Donc, il va vous prendre 2 secondes de CPU à fond et après, il rend la main. Donc, ça donne des tests potentiellement plus réalistes que ce qu'on pourrait avoir quand on fait un sleep. Donc, c'est assez utile. Bon, comme je disais, j'ai été un peu vite. Donc, on arrive à ça à la fin. Oui! Oui. Y a pas vraiment de. En fait, il n'y a pas de raison de sous-optimiser par rapport à la vie réelle de façon générale. Après, il y a des. Ouais. Donc, c'est une règle. Ouais. C'est une règle générale. De façon générale, il va pas s'empêcher d'optimiser des choses qu'il aurait optimisées dans le cas réel. Après, c'est pas tout vrai. Donc, par exemple, il peut décider que son code cache, il est un peu plein, donc il peut plus en vrai, mais là, il va le faire. Ou inversement, il peut faire toutes sortes de petits trucs un peu bizarres. Oui, ben, normalement, après, on s'attend à ce que le code fasse quelque chose. Donc s'il y a besoin d'inliner, c'est probablement pour vrai. Donc, c'est pas plus mal qu'il le fasse. Après, il reste bon, un peu problématique de fault sharing en particulier. Peut réagir un petit peu différemment dans les micro-benchmarks. Donc, faut faire un petit peu attention à ça. Et bon, il y a quelques cas un peu. Je sais pas, t'as un exemple? Ouais, bon là, oui, c'est vrai. Ça code. Mais là, c'est un peu triché parce que c'est vrai qu'on a du code limite plus compliqué en micro-benchmark qu'en vrai. Mais. Donc, essayez de ne pas faire ça. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est en fait quand on fait des héritages en Java, la JVM va essayer de deviner si votre méthode appelée, elle peut être overloadée ou non. Ou elle peut être polymorphique ou non. Donc, au départ, il va dire elle l'est sûrement. Après quelques appels qui n'ont pas été polymorphiques, elle va faire oh, elle l'est probablement pas. Donc, il se met à faire des appels directs comme si elle ne sera jamais. Et si à un moment donné, il y a une autre classe qui apparaît, ben, il dit ah, fuck, il y en a une autre. Non. Donc, il se remet à faire son routing. Donc, il va être capable de faire soit de l'inlining, soit des appels directs sans avoir de résolution. On appelle ça des résolutions dans une vtable pour récupérer le pointeur virtuel de fonction. C'est pour ceux qui ont fait du C++, par exemple, ça va vous rappeler des souvenirs. Et donc, quand il y a une implémentation, ben, il peut faire ça super rapidement. Quand il y en a deux, il fait un truc pour que ça ne marche pas si mal. Quand il y en a trois, il ne peut plus faire rien et puis il devient en mode lent. Il y a un bon blog post là-dessus, j'ai lu récemment. C'est qui? C'est Richard Roberton. Voilà, exactement. Hein? Richard Warburton, qui était venu pour le Perfog jClarity, d'ailleurs. Donc, c'est des trucs, et c'est vrai que si on fait varier des choses qui ont l'air assez bénignes, finalement. Comme une quantité d'héritage sur des classes, ça peut fausser un peu ta donne. Donc, je pense qu'il y a d'autres cas que je n'ai pas nécessairement en tête. C'est plus rare que l'inverse, on va dire. Mais il faut faire attention quand même. Bon, donc dans mon cas, EasyMock est super rapide. En fait, oui et non. C'est-à-dire que j'ai fait comme tous les gens qui vous publient des benchmarks, j'ai arrangé la vérité.
Et faites très attention quand vous lisez un benchmark parce que souvent ils l'ont arrangé un peu pour que ça soit sympa pour eux, surtout quand ils ont des intérêts dans la chose. Qu'est-ce que j'ai fait moi? En fait, j'ai fait de l'interface mocking. Et il s'avère que EasyMock, quand on fait du mocking d'interface, ben ouais, c'est vraiment super rapide. Par contre, quand je fais du mocking de classe, c'est 2 fois plus lent. J'ai pas encore eu le temps de regarder pourquoi, soit dit en passant. Mais on peut vite se laisser avoir en se disant c'est pareil, ça ne le mérite pas, ou ça a été effectué comme ça. Donc franchement, si vous fiez un benchmark pour décider un truc, essayez de le reproduire au minimum, ou essayez de vérifier qu'il y a des gens autres qui l'ont reproduit, ou essayez de lire pour voir si tout va bien, ou en tout cas faites un minimum de trucs, parce que là, ces temps-ci, c'est pareil d'ailleurs en science, donc dans la communauté scientifique, autant que dans la communauté informatique, il y a des papiers faux qui traînent à toutes les minutes partout. Et c'est un petit peu horripilant, donc il faut se garder un espèce de recul sur tout ce qui est publié. Ce qui nous amène au quiz 2, qui est un des benchmarks sur lequel. Donc, un benchmark qui était devenu très célèbre, qui comparait du Node.js à du J2E. Évidemment, ce benchmark était absolument ridicule. À la fin, je vous mettrai un blog post où j'explique pourquoi il est absolument ridicule. Mais avant de vous le montrer, la question est, si on vous met ça devant vous, donc là, ils sont en train de faire des appels. En gros, il y a un serveur d'application qui se fait appeler. Il ne se passe pas grand-chose sauf un appel JSON sur une base MongoDB en dessous. Non, c'était pas une base SQLDB. Donc, ils appellent soit un node, soit un serveur J2E en passant par une servlette. Et derrière, il y a un appel vers du CouchDB qui retourne un truc dummy et qui retourne ça au client. Et donc, ils font un certain nombre de requêtes concurrentes. Vous avez les temps de réponse et le nombre de requêtes par seconde. Sachant que le serveur. Non, je ne vais pas le dire ça. Désolé, je vais vous laisser le dire. Donc, quand vous voyez ça, qu'est-ce qui peut vous sauter aux yeux? C'est plus compliqué que tout à l'heure. Déjà, il y a qu'est-ce qui saute aux yeux et après, qu'est-ce qui est bizarre? Quelqu'un, allez-y, dites des trucs au hasard, Gaël. Ouais, le nombre de requêtes qui ont eu un aller-retour. C'est une excellente question. Comment c'est possible? Hein? Ouais, au moins un sticker. Ouais. Ah, bon, au moins, là, au moins un cadeau, vous choisirez. Bon, sachant qu'il n'y a qu'une seule fille dans la salle, donc vous pouvez monter, pimper les cadeaux un peu si vous voulez. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui peut faire ça? Ça aurait pu être une solution. Ça pourrait être le lanceur qui fait le con, donc le lanceur qui est extrêmement séquencé à 400. Là, c'est pas le cas, mais ça aurait pu être ça. Donc, oui, il attend la réponse, mais par contre, il n'est pas stabilisé à 400 requêtes secondes, ce qui pourrait être le cas. Donc, non, l'injecteur est correct. L'injecteur fonctionne correctement. Il essaie de faire le plus qu'il peut. Donc, il y a 150 virtual users qui envoient le maximum de requêtes possible et le serveur arrive à en traiter 400 par seconde, en l'occurrence. Oui. Hein? De quoi? Ah non, non, c'est sur le tir en général. C'est un Tomcat avec un nombre de threads classique. Mais hein, c'est pas mal ça. Il y a de l'idée. Oui, bah oui, il y a à peu près idée. Ouais.
Donc c'est à peu près ça, mais là comme c'était des requêtes vers du CouchDB, c'est un peu plus simple que ça. Oula, tout bon. OK. En fait, pour avoir un truc aussi stable que ça, hors le fait que le lanceur est défectueux, il peut y avoir deux choses. Soit votre système il est complètement sous l'eau et de toute façon, il n'arrive pas à traiter plus que ça. Là, ici, c'est fortement improbable parce que si vous arrivez à ça à 10, à 150, vous auriez comme. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais vous auriez commencé à avoir des timeouts. Votre serveur a toutes les chances du monde de partir en couille. Mais sinon, si votre système est overloadé, il ne peut pas traiter plus de 400, par exemple à cause d'un pool Tomcat. En gros, si votre CPU monte à 100%, il risque de stabiliser comme ça. Par contre, à force, il va enquiller des requêtes et il va les timeouter. La deuxième possibilité, c'est que vous avez une contention qui aurait pu être les threads Tomcat qui sont pas assez nombreux et donc on met en attente des gens le temps que ça réponde, ou c'est pas vraiment, c'est un genre de live lock. Et là en l'occurrence, c'est en fait le driver CouchDB utilisé était dégueulasse et codé par un abruti. Et ce driver utilisait HTTP Components qui, dans des anciennes versions, il gérait, je pense, c'est deux, parce qu'il suivait la norme HTTP qui dit vous ne devez faire que deux connexions qui partent de votre browser, par exemple. Donc, eux suivaient cette norme-là, et donc ils ouvraient que deux connexions vers la base CouchDB. Donc, on avait tous nos copains ici, ben, ils sont tous en attente d'avoir peut-être un jour le droit d'avoir une connexion. Donc, vous avez artificiellement du temps d'attente, vous avez un blocage dans votre application qu'on voit assez rapidement sur des profilers parce qu'on voit le profiler mettre tout le monde en wait sur une connexion HTTP. Et ça va nécessairement vous stabiliser parce que derrière, vous avez votre base CouchDB qui, pour une connexion donnée, elle est capable de répondre à 200 connexions secondes. Donc, la deuxième, elle en fait aussi 200. Et à la fin, bien, vous stabilisez à 400. Bon, c'est pas nécessairement les seules possibilités. C'est généralement à cause de ça. La seule chose à retenir dans l'histoire, donc si vous voulez d'ailleurs d'autres tunings pour comprendre pourquoi c'était tout dégueulasse, elle est là. La chose à retenir, c'est quand vous avez un pattern un peu louche comme ça, ben il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas et il faut aller creuser un petit peu pour essayer de comprendre. Donc, Gaël, bravo. Hop, en attendant, ben, c'est ce que je répète depuis le début. Faites super attention. Donc, là, je vous vends le micro-benchmarking comme étant un truc merveilleux, mais de façon générale, faites attention à tous les benchmarks que vous faites et que vous lisez, parce que ils sont tous faux tout le temps. Donc, s'il y a une chose à retenir, plus que JMH, c'est ça. Et après, ben, là, nous, on est là. Moi, je suis lui. Et. Sinon, des fois, je fais ça dans des entreprises, je parle de performance, mais aussi d'autres choses. Donc, ceux qui ne connaissent pas le mouvement, vous pouvez aller sur le site des Blackbound Lounge, où il y a plein de gens bien qui peuvent venir parler de choses qui les intéressent chez vous, dans la mesure où vous leur offrez un déjeuner décent. En fait, même si ce n'est pas décent, ils viennent quand même parce qu'ils ne savent pas, mais après, ils ne sont pas contents, puis ils parlent de vous sur des mailing lists, etc., etc. Genre, Criteo, ils m'ont donné un sandwich au cornichon, c'est des gros. C'est pas vrai. Et j'ai pas été chez Criteo. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup de votre attention. Je sais pas s'il y a d'autres questions, et sinon, il y a d'autres quiz en tout cas. Pour enchaîner, je sais pas trop qui. Voilà, il y a des questions en attendant que je pop nos slides. Il faut réapplaudir pour moi cette fois-ci. Merci beaucoup de cette spontanéité. Je sais pas, Raphaël, tu veux faire les tiennes? Ouais, viens. Ouais. Ah bon? Pas comme ça. Voilà, ça allait. Et que Sofiane qui est infaisable. Bon, et en plus, je peux jouer, je les ai pas lus. Je sais pas les réponses. Ah, le premier, je sais. Le premier est passé sur Twitter assez récemment. Ouais, ça je sais. Je pense qu'il y en a un certain nombre dans la salle qui ont dû le voir. Bon, on a deux mains levées déjà. Moi je sais aussi, mais j'ai déjà un t-shirt, moi.
Oui, ou là, oui. C'est bon, c'est validé, c'est ça? C'est ça, tout c'est à la fait. section d'un câble transatlantique. On voit du cuivre, on voit de l'isolant autour, il y a plusieurs couches d'isolant. En fait, dans le câble, on voit du cuivre, donc des connexions coaxiales, et on voit un tout petit peu la fibre si on la regarde de près. Elle est petite, elle est à gauche. Après, comme je suis un garçon super futé, je pense que s'il y a bleu là, et un genre de jaune vert ici. Ouais, la fibre, elle est là. C'est pour aligner le tuyau. Je pense qu'ils ont mis juste la couleur pour être capable de le brancher droit avec le bout d'en face. Je subodore ça, en fait. Je ne suis pas un expert en tuyau à fibre, mais... Hop. Donc ça, c'était facile. On va plutôt entrer dans la question un peu plus compliquée. Si un headphone veut faire diminuer sa latence de 1 milliseconde entre Paris et New York, quel bénéfice moyen peut-il attendre? Grosso modo, qui est le coût d'un gain de 1 milliseconde pour traverser l'Atlantique. Donc Sam, tu dis 1 milliard? En fait, les estimations qui avaient été fournies, c'était 100 millions de dollars de bénéfices par milliseconde qui est gagné. Et c'est pour cette raison-là qu'on est en train de construire un nouveau câble sous-marin entre Londres et New York, qui essaye d'être plus court que les actuels. Et ils essayent donc de gagner 6 millisecondes sur le trajet entre Londres et New York. Cool. Donc, le coût de plus. Hein? Donc 6 millisecondes. C'est vrai. Ouais. Et il est juste moins creux, il y a une hélice qui va passer dessus, il va avoir l'air con. Donc ça, les travaux coûtent 300 millions, il aurait dû arriver à la fin de l'année, il n'arrivera pas à la fin de l'année parce que les travaux ont été arrêtés l'année dernière quand les Américains ont décidé de plus travailler avec Huawei, qui avait le contrat. Donc ils ont dû changer de fournisseur, ça a reporté les travaux. Et l'entreprise donc Hibernian qui construit le câble s'attend à vendre le service de transmission 50 fois plus cher que le service normal qu'on peut acheter à côté. Justement parce que c'est très rentable pour du high frequency trading. Pourquoi c'est plus rentable qu'aller ouvrir un bureau à New York? Moi qui est naïf. Bah parce que tu as aussi une bourse à Londres. Bah oui, mais je sais pas, t'en as un de chaque bord. Ah mais ils font de l'arbitrage entre les deux. Je pense, ouais, je pense que c'est l'arbitrage. Bon. Ok, on m'a dit que c'est une bonne excuse. Oui, donc là... La deuxième question, t'as pas les données qui sont avec? Si, parce que sinon... donc là, c'est un bench que j'ai fait sur mon serveur chez OVH. En HTTP, j'arrive à faire 22 mégaoctets par seconde sur un serveur qui a 100 mégabits d'interface. Donc quand on regarde sur la machine, si je regarde l'interface Ethernet, on me dit bien que j'ai 100 mégabits full. Si je regarde la configuration IP, en fait, on me donne bien mon adresse IP et le MTU à 1500. Donc, je suis sur une configuration Ethernet un peu plus standard. Et quand je lance le bench, donc la bench qui est en fait là, qui fait 1000 requêtes HTTP avec une seule connexion simultanée, donc c'est pas un problème de j'ai trop de connexions qui partent en même temps, j'en ai qu'une. J'ai une connexion simultanée, j'appelle mon serveur HTTP qui me donne sur la homepage qui fait 42 kilos. Et à la fin du bench, il me dit que... Je sais pas si on arrive à le voir. Non, t'as coupé, en fait. C'est en bas. Fais des contrôles moins. Ouais. Ou attends, je vais le faire. Parce que là, on n'a pas le résultat du bench, moins. En fait. Hop. Voilà, donc si on regarde en bas, en fait, le transfert rate qu'il me donne, c'est 22 mégaoctets par seconde. Donc 170 mégabits sur une interface Ethernet à 100 mégabits. Donc comment c'est possible?
Il pourrait y avoir des caches. Non, non, là, il transfère. Ça, c'est des octets transférés. Hein. C'est vraiment transféré. Non, parce que là, tu regardes, c'est 1,50 millisecondes par requête. C'est. Normalement, le serveur a une précision d'horloge suffisante. Hein. Bon, mais moi, je ne sais pas. Non, là, c'est vraiment des octets transférés qui me donnent. Ouais, en fait, elle était peut-être, en l'occurrence, je crois qu'elle est déjà compressée. C'est-à-dire 42 kilos compressés, en fait. Donc la home page, elle est énorme. Il n'y a pas de candidat? Ben, normalement, on peut difficilement dépasser la vitesse de transmission du câble en tant que tel. Ah oui. On pourrait, mais là, si tu regardes, c'est l'adresse IP de la carte que je t'ai montré juste avant. Il n'y a pas de bonding ou de choses comme ça. C'est pour ça que j'ai mis la conf. Ah, je vais deviner un truc au hasard. T'utilises l'autre moitié du half duplex dans l'autre sens? Non, il n'y a rien à voir avec le duplex en l'occurrence. Bah, la fenêtre elle est quand même limitée par la bande passante disponible. Ouais, tu peux pas aller plus vite que la bande passante normalement. Tu avais un MTU 1500 au début. Je suis sur le même serveur. En fait, c'est ça le truc, c'est que là, je fais mon test sur le même serveur et j'appelle ma propre IP. Et ce qui se passe, c'est que dans ces cas-là, en fait, Linux. Mais c'est de la triche. Il passe pas par la carte. Non, il bypass la carte. Non, mais le problème, il n'est pas bon. Il y a juste. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sous Linux, ce comportement-là est très bizarre. C'est-à-dire que quand on fait ça, quand on attaque sur Linux sa propre IP. On n'est pas sensible au réglage de la carte Ethernet, mais on n'est pas non plus sensible au réglage de l'interface localhost. On est dans une sorte de zone noire où on peut rien impacter, on sait pas trop bien, on peut pas vraiment le tuner. Donc en gros, il vaut mieux sur Linux éviter d'avoir un serveur qui attaque sa propre IP. Si vous voulez vous parler avec vous-même, il vaut mieux parler sur le localhost que sur son IP. Mais pourquoi? Parce que localhost, on peut le tuner, on peut le paramétrer, on peut savoir si comment c'est. Super giga rapide. Là, si t'es plus rapide que le 100 Mbps qui ferait En localhost, tu seras encore plus rapide, en l'occurrence. Mais, en localhost, par défaut, tu seras à peu près à la même vitesse, parce qu'il bypass, mais tu peux effectivement tuner ce que tu veux voir, tu peux augmenter la taille des buffers, augmenter la taille des MTU, si tu veux. Sur l'IP locale, tu peux rien faire. Ok. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est vrai sous Linux, sous Mac, on a des résultats complètement différents, ou sous Windows, on a des résultats différents. Par exemple, sous macOS, quand on le fait le test, on regarde tout en bas la table de routage, l'interface IP elle est directement routée sur localhost. C'est la dernière ligne, mais je pense qu'on n'arrive pas à la voir d'ici. Et donc, ce qui fait que sur Mac, je peux tuner le comportement de mon IP principal en tunant localhost. C'est la triche. Ouais. Donc la troisième question, c'est une question plus simple. J'ai un fichier de 600 mégaoctets de Indivix que je vais envoyer à un ami qui habite pas loin. Je passe par quoi? Je passe pour mon ADSL, ma 4G ou ma USB? Ouais, je suis à pied, ouais. Il y a combien de votes pour la clé USB? Combien de votes pour la DSL? On est d'accord. Là, je suis parti sur le fait qu'on marche à peu près à une vitesse moyenne 6 km. Considère que tu as le meilleur DSL possible. Bon, après, le souci de. Ouais. Non, mais
À la base, c'est, ouais, bah, ça dépend, c'est du court, c'est sûrement la clé USB. ADSL 2, c'est assez. Ben, en fait, c'est ton sortant qui va être pas bon. C'est toi qui envoies le fichier. Le upload est très lent en ADSL en fait. Donc, qui vote 4G là? Il y a 4, 4, 5 4G, 6 4G, 7, 3 ADSL, 8. Alors, la réponse en l'occurrence, dans ce cas précis, c'est la 4G. Pourquoi? Alors, si je fais le calcul, en fait, en ADSL, le problème de l'ADSL, c'est que l'upload de l'ADSL est très mauvais. Même sur la meilleure ligne possible, l'upload est limité à 768 kilobits. Donc, si j'élimine plein de problèmes, au mieux, je peux transférer à 1h50 mes 600 mégaoctets. Si je le fais en 4G, j'ai pris les chiffres moyens communiqués sur OpenSignal de la 4G sur Paris. L'upload sur 4G est à 8 mégabits. Donc, on est 10 fois plus rapide en termes de pente passante. Hein? Et ça peut aller plus vite en théorie. En théorie, ça peut aller plus vite. Ça, c'est la moyenne constatée pour l'instant. Donc l'upload est à 8 mégabits. Un 4G, il ne te borne pas un upload? Non. Enfin, t'as un rate maximum. T'as un rate maximum et ça dépend de la charge de la cellule, mais. Même en 3G, en fait, quand je fais des tests en 3G, j'arrive à uploader à 1,5 mégabits. Donc même en 3G, je vais plus vite qu'en ADSL. Et l'USB, en fait, quand on regarde, effectivement, il faut à peu près 10 minutes de marche à 6 km/h, mais les clés USB sont super lentes. Tu gagnes un tout petit peu, et là, tu étais quasiment au même temps. C'est 90 secondes la lecture. J'ai fait des tests avec mes clés. Bon, après, il marche pas vraiment vite, testé. Là. Il marche pas vite, ton gars. Oui, et puis la clé USB, t'as l'avantage d'aller voir tes amis et donc tu peux prendre un verre en plus. Donc, mais en termes de temps pur, c'est en fait c'est la 4G. T'as le graphe après? Ah ouais, alors les couleurs sur le noir, c'est pas terrible. En fait, j'ai fait les calculs pour différentes tailles de transfert et types de technologie. Donc la bande bleue, c'est la DSL, c'est le plus haut. Le rouge, c'est le 3G. Et le 3G commence à être rentable à partir de 3-4 mégaoctets de transfert. C'est-à-dire qu'en dessous, en fait, on a trop de problèmes de latence et on est trop limité par la latence de la 3G. Et à partir de 3-4 mégaoctets, on est plus rapide que le DSL. Le vert clair en bas, c'est la 4G, qui est plus rapide que le USB tant qu'on transfère des volumes de données qui sont pas très gros. Et on équilibre à peu près à 800-900 mégaoctets. C'est-à-dire, en gros, pour transférer 1 giga, vaut mieux marcher. Et après, quand on augmente les volumes de données, ben forcément, ça vaut mieux transférer en clé USB, en fait. Là, je considère que je lui envoie par Skype ou par transfert direct, en fait. C'est ça, c'est qu'il le récupère à la même vitesse. En général, le download est plus rapide, surtout en ADSL, il est plus rapide que l'upload. Il y a plein d'autres. Mais c'est juste pour dire. Le transfert. En fait, il se trouve que les liaisons mobiles opérateurs en France, pour l'upload, peuvent être plus rentables que de passer par votre ligne DSL. Si vous êtes en câble ou en fibre, on ne se pose pas la question, vaut mieux passer par la fibre. Si vous avez le choix entre la DSL et votre ligne 3G, des fois, vaut mieux faire l'upload en 3G. Modulo les caps de volume de données et les prix des forfaits. Et l'opérateur et la couverture que tu as effectivement par rapport à ton opérateur. Alors là, est-ce que tu arrives à zoomer? Là, c'est une petite question de code, alors il faut pouvoir lire le code sinon. Moi, ça, d'où je suis, ça se limite. Hein. C'est la fenêtre qui ne reste pas. Ouais. Donc en fait, ça c'est un petit programme qui fait proxy TCP. C'est-à-dire qu'il écoute des paquets d'un côté et il les envoie de l'autre. Il marche, hein, vous pouvez le copier-coller, ça suffit pour faire un proxy.
Le problème, c'est quand on mesure les perfs de ce proxy-là, en fait, il a des perfs complètement dégueulasses. Donc le quiz, c'est pourquoi, mais si vous n'arrivez pas à lire le code, c'est beaucoup plus difficile d'y répondre. Bon, là, à peu près tout. Là ça je ne suis pas sûr qu'il arrive à voir. Hein. Ah bon vous avez... Après, je peux zoomer plus, vous allez plus avoir la caisse. Pour vous, c'est bon. Ouais, mais ça... Non. Ah non, mais ça, ouais, ton machin, il resize pas bien, il est pas content. Donc là, en gros, le code, il fait quoi? Au départ, il ouvre une socket serveur sur le port 4444. Il ajuste le buffer de réception. Ensuite, la boucle principale attend des connexions du client. Elle ajuste le paramétrage no delay pour éviter de la latence supplémentaire. Elle ouvre un socket client vers le serveur de destination, elle ajuste les mêmes paramètres, elle crée son buffer d'envoi, et ensuite elle lit les octets, elle les fait passer. Et à la fin, elle ferme son client et elle recommence sur la prochaine connexion. Bon, j'aurais tendance à dire qu'il faut pas réouvrir la connexion déjà. Mais... Alors, il n'y a aucun paralysé, mais même, en fait, tu n'as pas besoin de paralyser parce que déjà avec une connexion, en fait, tu te rends compte qu'il faut. Moi, quand je fais des tests là, sur mon Mac avec ce code-là, il me faut quasiment une seconde pour envoyer 80 kiloctets comme ça. Non, le code est vraiment pas performant. Là, t'as quoi? Où il sert le buffer? Ah, mais il y a. Ouais, enfin, ça c'est un des problèmes. Ouais. Quand on regarde ce que fait la boucle, en fait, ouais. Elle lit un caractère et elle l'envoie. Ouais. Ça, c'est mal. Il y a ça qui est mal pour moi. Ça, il devrait rester en ouvert tout le temps. On pourrait optimiser le. Et après, Sion. Il sert où le buffer? Bah, en fait, tu as déjà un buffer. Hein. Ah, le buffer est là. Okay. Ouais. Alors, ça, c'est clairement une optimisation qu'on pourrait faire. Il y a une optimisation plus simple, en fait. En moins d'une ligne de changement, je peux corriger les perfs. TCP, no delay. Moi, j'aurais gagé sur le buffer size, mais c'est mon instinct. C'est un gros buffer, en fait. Je pense qu'il y a des histoires de fenêtres où la fenêtre elle va pas être contente et patata. Alors c'est le buffer size, j'ai mis explicitement, mais la taille que j'ai mis c'est 128 kiloctets, en fait c'est la taille par défaut. Ok. Donc mais ça paraît y a, effectivement on peut jouer sur la taille des buffers, ça a des effets intéressants. Le cachant si tu veux je peux le faire tourner le truc. Hein, si certainement ça pourrait. On pourrait les plugger différemment, mais il n'y aurait pas de quiz. En fait. Donc ouais, pour l'instant la meilleure proposition pour l'instant c'est de dire au lieu de lire octet par octet, je lis buffer par buffer. Ça, ouais. Puisque c'est des opérations bloquantes, là on est sur des opérations synchrones, hein, donc. Ça fait quoi TCP no delay? Alors TCP no delay en fait ça désactive l'algorithme de Nagle. Voilà, en fait, quand on fait nos délais, on lui dit dès que tu as un octet, tu l'envoies sur le réseau. Ah oui, donc ça fait un paquet à chaque fois, en fait. Donc en fait, on envoie un paquet par octet. Ah. C'est mal. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les perfs sont très dégueulasses. C'est-à-dire que si je lis 80 kilooctets, j'envoie 80 000 paquets à mon destinataire. Et chaque paquet, en fait, va faire 66 caractères, un truc comme ça. Parce que j'ai un octet de données. Et tout le reste, c'est l'overhead de mon paquet. Donc je multiplie l'utilisation de mon passant par 66. Donc c'est relativement mal. Donc dans ce cas-là, un moyen simple de corriger, c'est-à-dire si je lis très mal les octets comme ça, que je les lis un par un, il faut que je désactive le no-delay. Il faut que je me mette en mode avec l'algorithme de Nagle, et ce que va faire le système dans ces cas-là, c'est qu'il va attendre d'avoir un paquet complet avant d'envoyer quelque chose. Sauf qu'on a d'autres trucs amusants. Enfin, après, selon les OS, on a d'autres trucs amusants. Par exemple, le problème de Nagle. Pourquoi c'est en fait la plupart des serveurs comme Jetty, Netty ou les serveurs d'application désactivent Nagle par défaut. Ils se mettent en no delay par défaut. Pourquoi? Parce que si j'envoie un paquet à un destinataire et que ce destinataire applique une des autres normes de TCP qui s'appelle le délai de hack, il ne va pas me répondre
avant d'avoir reçu un deuxième paquet. Et si j'alimente, et si Nagle évite d'envoyer parce qu'il veut rajouter des octets, en fait, je vais attendre plus longtemps avant d'avoir une réponse et je peux être limité à cause de ça. Donc les serveurs d'appli qui en fait essayent d'émettre un maximum de données, par défaut, ils désactivent Nagle. Mais ce qui fait que écrire un code comme je l'ai écrit, c'est-à-dire lire octet par octet, ça pardonne pas du tout parce que derrière, ça fait des performances vraiment catastrophiques. Donc le plus simple pour corriger ce code-là, c'était changer le TCP no delay, de mettre le true à false. Et la meilleure méthode, c'est de dire, au lieu de lire octet par octet, je définis un buffer de quelques 1400 octets qui est à peu près à taille d'un paquet, et je le lis comme ça, donc j'alimente beaucoup plus vite mon buffer. Si je joue avec le send buffer, donc la taille du buffer d'envoi, ce qui va se passer, en fait, c'est que c'est un buffer qui est au niveau OS, mais pas au niveau carte TCP. Enfin, carte Ethernet. Donc moi, l'application va écrire dans le buffer, et elle écrit beaucoup plus vite que les paquets sont envoyés. Donc plus je vais avoir un buffer élevé, plus l'application va pouvoir mettre des données et reprendre la main très vite. Donc ce qui est amusant, c'est que si je mets un buffer qui est 5 fois plus gros, en fait, l'application, si je la time sur la boucle, elle va à toute allure. En 70 millisecondes, elle a fini. Sauf que les paquets, ils sont restés au niveau du système et ils sont encore en train d'être envoyés. Donc j'ai l'impression que je vais beaucoup plus vite, mais en fait c'est juste que l'OS me masque le délai d'envoi. Et en plus, si je fais des très gros buffers, ben, ce qui se passe, c'est que je mets plus de temps à envoyer parce qu'il faut que je vide mon buffer. Des trucs cachés. Ok. Je vais voir si je peux préparer la suite. Oh, ça, c'est pas moi, ça. Ah, ça, c'est Marc. Bon. Donc, je vais suivre ma tendance. Merci, Raphaël. Merci. Alors, sur une idée d'Henri. Sur une idée d'Henri, Henri m'a dit on arrive à faire des Dirac avec des problèmes de paire. J'ai fait je vais essayer. Et donc ça a fait un beau quiz. Quel est le problème de paire qui arrive à produire ceci? Alors ceci, je vais vous aider à lire un petit peu. C'est une capture d'écran d'un test fait avec Getling. Donc c'est le temps de réponse de mes différentes requêtes. Voilà, c'est un code d'une application jouet. Donc on voit que le temps de réponse, il peut être très très bas. Et puis il y a comme des jolis Dirac, c'est-à-dire que là il monte à des valeurs. Là on est à 10K millisecondes, on est quand même à 10 secondes. Et il s'amuse tranquillement toutes les 15 secondes à mettre 10 secondes à répondre pour la même requête. Je précise que là c'est une et une seule requête qu'on mesure, qui fait toujours la même chose, sauf que toutes les 15 secondes, elle fait un Dirac. C'est une appli Java. Et c'est une réponse méga facile par rapport aux autres. C'est quoi? Qui est les, ouais, les autres? Ok, bon, on a déjà deux t-shirts. Absolument. Mais il y a des questions complémentaires derrière? Absolument, il y a un GC qui kick à toutes les 15 secondes. Donc ils n'ont pas eu besoin de l'outil. Qu'est-ce que vous proposeriez pour corriger le problème? Alors le réglage, je peux vous le montrer. Le réglage, c'est, je l'ai fait avec une JVM 1.7 ou une JVM 1.8, en lui mettant 2048 mégas de HIP et en ne mettant aucun autre paramètre de GC. Bon, et en la faisant leaker. Et en faisant un petit code qui remplit un peu la mémoire. Ouais, je dois pouvoir la lancer sinon. Alors j'ai un CMS. Ah merde. T'as fait des tâches. On peut brancher le mien. Oui, le G1, c'est aussi une bonne réponse. Je viens de le faire tourner là à l'instant, donc on va le brancher sur mon poste. J'ai le résultat. Tu veux le faire là? Ouais. Ça va aller plus vite. Je pense. J'ai un peu peur de perdre. Ah, toi, t'as un truc déjà. Ah, je l'ai pas initialisé là. Bon, on va espérer que. Moi, j'ai peur de faire des choses comme ça. Non, faut pas. Brancher, débrancher des fils, c'est dangereux. Puis j'ai
c'est pas possible. Attends, il va y arriver là. D'à côté, t'en as un autre à côté. Alors, ça, c'est celui avec les problématiques que vous voyez. Monsieur, il va C'est toujours pas lui, sauf qu'en tournant la tête, c'est pas facile. Donc. Donc ça, c'est un mauvais. Le DigiOne arrive à me faire ça. C'est-à-dire qu'il y a deux fois où il est à 10 secondes. Je ne sais pas expliquer pourquoi deux fois il a quand même eu besoin de 10 secondes. Mais il arrive à comprendre un petit peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je remplis la mémoire jusqu'à à peu près 80%. Ensuite, j'ai deux requêtes. Une requête qui s'appelle InFlight, qui, tant que la mémoire est en dessous de 90%, va rajouter quelques octets à chaque fois. Et j'ai une autre méthode qui s'appelle Deflate, qui passe moins souvent, qui passe toutes les 5 secondes, qui elle enlève à peu près 15% de la mémoire pour laisser de la place avec des objets morts pour que le GC arrive à passer. Mais comme ma mémoire est toujours à 80%, est toujours à peu près aux alentours de 80%, quand à ce moment-là, la JVM veut essayer de nettoyer parce qu'elle se rend compte qu'elle est vraiment à sa limite, donc elle envoie le GC qui va trouver des objets morts, parce que je lui en ai libéré exprès, mais qui pour les trouver va être obligé de parcourir l'intégralité de la heap qui est remplie, dans le cas où on est sur un GC normal, parce que les objets ont été créés il y a un temps long par rapport à un GC, le temps que toutes les requêtes se soient exécutées, donc il est obligé de passer en revue toute la heap old, ce qui lui fait à peu près 1,5 giga à parcourir en diagonale avant d'arriver à trouver les objets à nettoyer. Le G1, lui, il va fonctionner différemment, il ne va plus être avec la répartition new et old generation, donc il arrive à gagner du temps. Et j'avais une dernière question, en graissant avec des new et old generation, maintenant que vous savez ça, quel autre paramétrage devrait améliorer les choses? Je l'ai testé, il améliore en fait partiellement. Il améliore, c'est celui-là. Oui. Attendez, c'est pas celui-là, c'est mon dernier. Bah, tu restes en GC classique. Je reste en GC, je suis pas en G1. En CMS ou un truc comme ça. Oui, mais c'est pour ça la question, c'est ce qui reste avec le par défaut. Parce qu'en CMS, tu aurais probablement à peu près la même chose que G1. Je suis avec ça en CMS. C'est le résultat que j'ai avec le CMS où j'ai mis ces paramètres. Attendez que je ne me perde pas. J'ai essayé ça. Je lui ai mis une taille new, de new generation la plus grande possible. Et en le mettant en concurrente Mark III pour essayer de lui laisser le temps de trouver dans la Young Generation des objets que j'avais déjà nettoyés, puisque dans l'algorithme j'avais supprimé les objets les plus récents créés. Donc j'ai essayé de faire en sorte que l'algorithme de GC sur la New arrive à nettoyer avant de passer en Old, où là il y a beaucoup plus de données, donc le tour va être beaucoup plus important. Là, c'est uniquement pour du test. Je vous conseille pas de faire ça en prod parce que vous allez pourrir effectivement tous vos mineurs d'HC. Là, c'était juste pour voir ce que donnait à faire comme test. Donc, c'est rigolo, celle de CMS, il s'en sort un peu moins bien quand même. Mais après, c'est à peu près normal. Je
pense qu'en plus il doit défragmenter parce que lui fouler sa mémoire comme ça en permanence, il doit pas être content en fait. Non. Je pense qu'il fait des foules. Ouais, il doit faire des foules de défragmentation. Alors Philippe, il y a deux t-shirts. Bon. Et le dernier quiz, c'est pour Sofiane. Ah oui, donc là, faut que je rebranche un truc. Et après. Bah. Hop. Donc Sofiane avec le quiz que personne n'aura la réponse. Mais c'est pas un quiz. Ah, c'est pas un quiz. Non, c'est une énigme. S'il te plaît. Il était où déjà? Sur le. Bah attends, sur le drive. Attends, je vais juste faire un truc. Performance user group. Juste inverser un slide parce que pour aller plus vite. Ouais. Genre celui-là. Ah, close. Faut payer Office, Marc. Hein. Ah, c'est moi. Ouais, alors. J'ai pas payé. Non, en fait, c'est pas que j'ai pas payé Office, c'est que c'est tellement dur de retrouver une licence qu'on a eue sur un ordinateur précédent que c'est moins chiant de le laisser traîner. Bah, j'espère que les animations fonctionnent. Bah, du coup, comme j'ai fait une session sur Hadoop, alors j'ai. Hein? Tu l'as pas mis en slideshow là? J'en sais rien, j'ai cliqué sur un bouton. F5. Ah, c'est là, merde. Voilà. Voilà. Ah, je me suis trompé de bouton. Ouais, du coup, comme j'avais fait une session Hadoop, bah, on m'a demandé un peu de faire un exo sur Hadoop, mais enfin, c'est facile, la réponse c'est Hadoop c'est pourri, donc du coup j'ai trouvé autre chose. En fait, vous allez m'aider, parce qu'en fait, c'est un vrai problème de prod qu'on a eu, et du coup, en fait, on aimerait bien, enfin, moi j'aimerais bien en tout cas vous m'aider à retrouver ce problème, à investiguer, à comprendre pourquoi. Bah, du coup, je sais pas si on aura cette t-shirt à chaque fois qu'il y aura un indice, donc on va peut-être faire celui qui a le plus de sticks à gagner. Alors globalement, pour faire simple, en fait, on a un problème de requêtage et sur Hive. On a des utilisateurs qui font des requêtes sur Hive et puis c'est lent. C'est lent, c'est super lent. Et puis au bout d'un moment, tout le monde se tape des timeouts. Mais vraiment continuellement. Là, putain, au bout d'un moment, timeout. On comprend pas trop pourquoi. Alors, j'ai mis un petit schéma sur Hive et le Metastore pour voir comment ça fonctionne. Globalement, à partir d'Hive, on va interroger le Metastore. Qui est en fait un serveur DAP, enfin c'est un serveur Swift, qui va interroger ensuite une base MySQL. L'idée c'est que comme Hive c'est du requêtage structuré, la structure se trouve dans la base de données. Donc avant d'interroger le cluster HDFS et tous les fichiers, on va d'abord demander à Hive quelles sont les colonnes, quelles sont les requêtes que je peux effectuer. Et une fois que c'est bon, bah, on requête le cluster HDFS. Donc ça c'était très rapide. Alors. Donc là, ils sont vraiment, vraiment pas contents. Il y a tout le temps, au début, c'est lent, puis après, timeout, successif, sans arrêt. À votre avis, ça pourrait venir d'où? Si on reprend un peu le schéma. Je sais pas. Ouais, c'était pas très... Alors, c'est la connexion... C'est quoi? C'est-à-dire la connexion MySQL. La connexion remote, mais enfin... C'est-à-dire... Donc, ça viendrait principalement de ce lien-là, en fait, du lien remote. Ça veut pas dire que c'est cassé, ça voulait juste dire que c'était sur... okay. Ça, c'est ça, donc... c'est à peu près ce que vous essayez de voir. Donc, c'est la connexion. Alors, effectivement, le serveur d'application répond bien. Donc, le serveur d'application, c'est un grand mot. Le serveur Swift répond bien quand on ping, quand on SSH dessus, il n'y a pas de problème. La base de données aussi répond. Donc voilà, si on peut la requêter potentiellement, elle accepte la requête si on prend n'importe quoi comme client pour le requêter. Donc effectivement. Comment? Est-ce qu'il y a un? Un pool? Alors. Bon, on va abréger le truc. Alors effectivement, il y a un problème entre la communication MySQL et le serveur d'application. Et le problème. Oula, je sais pas si j'ai failli afficher la réponse. Donc oui, il y a un problème avec le pool. Quel est le problème avec le pool? Là, ça commence à devenir compliqué, je pense. Je sais pas si c'était pas trop rapide. Des BCP, déjà, c'est un problème. Alors, des BCP, oui, c'est par défaut, c'est le pool qui est utilisé par défaut. C'est pas malheureux. Et quel serait le problème avec le pool, avec ce fameux pool des BCP? Non, c'est pas ça. C'est pas un problème d'asynchronisme. C'est beaucoup plus trivial, c'est beaucoup plus débile que ça, malheureusement. Non, c'est pas la taille par défaut, non. Non, ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. Et j'ai entendu quelque chose. Attends.
Comment? Qu'est-ce qu'on voit dans le pool? En fait, il y a eu effectivement la taille qui est revenue. Je ne sais pas si tu l'avais aussi dit, Guillaume. Enfin, en tout cas, derrière, j'ai entendu ça. Alors, effectivement, il y a un problème de taille, mais c'est un problème qui est un peu débile. Donc, effectivement, l'idée, c'est qu'on a une taille, mais le problème, c'est qu'on atteint. Enfin, comme je vous l'ai dit au tout début, on a un nombre de, on a des gros waits, on a des gros problèmes de latence, puis au bout d'un, enfin, des gros problèmes d'attente, et à un moment, on arrive à time out. On pourrait augmenter le pool, mais en fait le problème reviendra en augmentant le pool de connexion. Ok, mais le problème c'est que ça continuera en fait. Plutôt, même en augmentant le pool, Non, puis à un moment donné, tu vas c'est pas un taper problème. l'index de MySQL de toute façon. C'est ça. Donc en fait, c'est aussi con que ça. C'est que l'implème, effectivement, ouais, c'est vraiment complètement débile. L'implème du dans DBCP, il y avait une implème qu'on avait utilisée qui en fait ne fermait pas les connexions. Donc en fait, on avait une classe concrète qui appelait une classe abstraite qui faisait des isClose pour checker. Sauf qu'en fait, il n'y avait pas de clause qui était appelée par derrière. Il y avait juste un isClose true, c'est bon, on arrête. Et au final, les connexions étaient jamais relâchées. Donc du coup, effectivement, on a bien ce problème-là, de problème de leak vraiment complètement débile qui venait juste pas d'emblème de la méthode close. Comment? En fait, on a effectivement observé que le pool de connexion était complètement bouché et que même en augmentant le nombre, on avait compris que c'était bouché. Pour savoir que le code que ça venait dans le code, on a fait un truc très simple. On a tapé DBCP pool issue et on est tombé là-dessus. En fait, les connexions sur le serveur. Alors, ce qu'on avait regardé, si effectivement, mais alors on avait aussi potentiellement le problème que j'avais mis ici, qu'il y avait un problème Mais... de définition entre le timeout côté MySQL et le timeout côté. On avait vérifié en fait que les timeouts étaient les mêmes, que les tailles de pool acceptées étaient les mêmes, et au final, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi justement, même côté, enfin, Mais on n'arrivait pas à dégager le problème entre MySQL et le pool de c'est la connexion. connexion TCP qui n'est pas On avait fermée. vraiment les mêmes paramètres, pardon. C'est la connexion TCP qui n'est pas fermée ou la connexion JDBC? La connexion JDBC. Donc, Non, attendez, c'était. Non, c'était parce le nombre que de de threads. Non, façon. c'était le nombre de threads dans le pool en fait qui était plein et du coup il pouvait plus accepter aucun thread. C'était juste ça en fait. Le pool de threads était plein. Comment? Enfin, oui, ça se voit, mais d'où ça vient? C'est là où en fait on avait galéré pour savoir d'où ça venait en fait. Oui, ça ne doit pas arriver à tous les coups. Bon, après, l'autre truc, c'est qu'il me. Parce que ça parle d'être un bug DBCP, vu que c'est un F4807 Mais non, mais en fait, reference. C'est. non, mais IF4807 référence ce bug DBCP. Ok. Et. Parce que, intuitivement, quand je vois un truc comme ça, moi, j'aurais été chercher un connection leak dans mon code à moi. Ce qui est le premier truc à faire, en Oui, mais principe. en fait, Puis, c'est un vrai connection leak. Oui, mais ce que je disais, c'est qu'on a galéré pour trouver en fait, même si ça venait de chez nous, en fait, à un moment, on a bloqué, puis la seule chose qu'on avait faite, c'était déjà de vérifier si le bug était déjà existant pour d'autres personnes qui utilisaient Hive. C'est comme ça qu'on est tombé sur l'issue et effectivement, en changeant de pool de connexion, en utilisant ces trois PO, on avait vérifié que le problème n'existait plus. Arrêtez avec vos trucs. C'est quoi Pourquoi ces tu... gars? Comment? Enfin, je sais pas si. Tu travailles où toi déjà? Et, ah, j'ai pris le pool le plus mauvais du marché, je vais prendre l'autre qui est légèrement Mais moins non, mais bien. enfin, on avait vérifié. On était juste là pour vérifier si le problème venait de là ou pas en fait. Ah, bon. Ces 3 PO, c'est pas un bon pool non Mais plus. peu importe, le problème c'était de vérifier si ça venait, si enfin de vérifier si le bug qu'on avait retrouvé était ça ou pas en fait. Ben, mais par contre, c'est vrai que ouais, je suis un peu étonné. Je vais aller le lire. Bon, c'est comme dit Raphaël, si c'est le cas. En fait, vous deviez avoir un tuning particulier parce que sinon, ça tomberait sur tout le monde tout le temps. Ça tomberait sur tout le monde tout le Ben, temps, tout le c'est-à-dire. monde aurait le problème tout le temps, en fait. Oui. Si Oui, bon, DBCP, il ne on devait fermait peut-être avoir jamais. une connexion particulière. En fait, pour Oui. être honnête, moi, j'étais pas là quand ça s'est passé. Enfin, c'était bien avant que j'arrive. J'ai essayé de reproduire le problème tel qu'on me l'avait décrit. J'avais demandé un problème de perf. Il doit avoir un truc en plus. Il doit avoir un paramètre. Ah, très honnêtement, moi, j'ai eu ce niveau. J'ai eu ce niveau-là. Moi, c'était il y a un petit moment. C'était en juillet que un truc comme ça que le problème est arrivé.
Donc voilà. Potentiellement, il y aurait aussi d'autres problèmes de timeout qui peuvent arriver. Enfin, qu'est-ce qui ferait qu'on aurait des timeouts sur le niveau requête, là, si on est juste au niveau requête, en fait, rien d'autre. Enfin, qu'on observe, par exemple, qu'on observe que nos requêtes pourraient causer des timeouts. Qu'est-ce qui pourrait faire ça, en fait? Par exemple, ouais. Des deadlocks. De toute façon, c'est un problème de contention quelconque. Un problème de contention. Ouais, mais vous, par exemple, je sais pas. Dans le timeout, c'est soit une contention, soit une requête longue, soit un truc voilà. Qui se traîne. Ouais, effectivement, le problème côté base de données. On peut avoir aussi des problèmes au niveau du Metastore qui est en fait complètement. Enfin, bon, j'ai mis par exemple à cause du IGC, comme on a pu le voir avec Marc, mais ça, on peut tout simplement avoir le problème du Metastore qui est. Même pas de la base de données qui est complètement HS. On pourrait avoir ça. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre bah, effectivement, un problème de configuration entre la base de données et le serveur d'application. Qui fait que bah, là on peut se prendre un timeout parce que la configuration n'est pas la même sur le nombre de connexions max et sur le timeout d'une requête en particulier. Ouais, ça c'est classique. Si ouais, ça c'est classique. La session base de données est plus court que le timeout de recyclage des connexions HTTP. Oui. Quand vous les utilisez, vous avez un bang. Bah, par contre, ça ne cause pas un timeout à l'appel, ça cause une exception. Ça, oui, c'est ça. C'est une exception. Voilà, donc bah, les autres, je pense qu'on en avait cité pas mal. On va boire. Ouais. Merci, Sofiane.